Salut à tout le monde, c'est GG et on se retrouve pour une vidéo de The Outer Worlds. Donc c'est un jeu développé par Obsidian Entertainment. Donc c'est ce qu'on fait, The Outer Worlds. Non, sérieusement, ils ont fait Star Wars and the Old Republic 2. Voilà, les Neverwinter Nights. Fallout New Vegas et South Park. Le South Park, le bâton de la vérité sauf erreur, c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc globalement ils font surtout des RPG ou des MMO, enfin quoique. Honnêtement, attendez, j'ai un doute. Star Wars et Old Republic 2, est-ce que c'est un MMO ou c'est un jeu d'aventure? Je me rappelle plus, tiens, je confonds un peu. Bref, donc voilà, donc on va commencer direct, on va pas perdre de temps là-dessus. Hop, nouvelle partie, allez, go. Alors, choisissez ce mode si vous préférez histoire ou combat. Normal, difficile. Supernova, mais ça c'est Outer Wilds, ça. Bon, on va se foutre en normal. Parce que voilà. J'ai pas forcément l'habitude de ce genre de RPG. Donc on va se foutre en normal. Donc oui, alors ce jeu, alors sous-titre, oui, go. Ce genre de jeu, en fait, c'est un petit peu à la Fallout. Donc survie, où on choisit si on tue, on peut faire pas mal de choses avec les dialogues. Mais je vais me taire pour qu'on profite de cet incroyable scénario. Dix ans de voyage, vous semblez entouré que quelques minutes à peine, dans le confort et la sécurité de votre propre chambre d'hibernation. Vous rêverez dans une société parfaite conçue pour maximiser votre productivité tout en garantissant le plein emploi. Après une période de service réduite, vous prendrez les rênes de votre destin en quittant ce monde pour la colonie d'Alcyon ou d'Alcyon. Top secret 2320. Rapport d'incident de vaisseau de colonisation espoir à la dérive, réanimation. Donc moi j'ai déjà vu ça, hein. Si jamais j'ai lancé le jeu, j'ai joué quoi, 15 minutes, dont 10 de cinématique, loul. Et je voulais juste faire quelques tests, voir si ça fonctionne bien et tout. Là du coup, ça marchait bien, et j'ai fait quelques petits tests du jeu en fait, voir peut-être les limites. Voilà, donc apparemment lui c'est un... C'est un criminel du coup recherché par cette colonie d'Alcyon. Hundreds of thousands of colonists will have to drift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Alors, en fait, il y a eu un problème avec ce vaisseau. Alors, pour je ne sais quelle raison en fait, ou alors c'est pas trop, ou alors j'ai pas compris pourquoi, mais du coup en fait, donc il y a plein de gens qui espéraient en fait partir de la Terre et aller dans cette colonie, et en gros ils ont caché ça à tout le monde qu'il y a eu cet incident, et du coup les gens en fait continuent de dériver en étant cryogénisés quoi. Voilà, bref, un truc du genre. Alors pourquoi, j'avoue que j'ai pas trop compris. Voilà, donc là on peut déjà s'attribuer des trucs. Après là, ça a l'air d'être assez pété dans le tempérament, parce que on a de la régénération de santé par seconde en fait. Donc j'ai presque envie d'en foutre beaucoup. Charme. C'est surtout pour la parlotte. Intelligence. Ah, je pense que ça peut être pas mal. Perspicacité aussi. Est-ce que ça enfile un peu? Après, est-ce qu'on va plutôt se foutre de la force ou de la dextérité?
Ah, pourquoi pas de la force? On augmente, je vois, le poids des trucs qu'on peut transporter. Je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, après, on pourra sûrement améliorer par la suite. Hein. Ah oui, il faut appuyer sur E. Alors, poum poum poum, corps à corps. Ah, et puis on a encore 2 points qu'on peut mettre. Et là, on peut déjà voir que, par exemple, les trucs que j'ai mis par rapport à avant, on est un peu plus haut. Vous voyez, là on est plus parce que je pense qu'on s'est mis avant des compétences, des attributs. Bah, je pense peut-être pour le début, ça peut être pas mal d'être plutôt dans le dialogue ou genre de conneries. Ah, j'hésite. Ah là, on peut faire avoir des meilleurs compagnons avec le leadership, ok. Donc là, ingénierie. Que... Ok. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Ok. Peut-être furtivité en fait pour le crochetage, genre de trucs, ça peut être pas mal. Je lis un peu. Je veux pas faire trop long non plus. On pourra acheter, mettre des points après. Je pense peut-être la furtivité au début, ça peut être pas mal. Things tend to vanish off tables whenever you are around. Technicien de débit de boisson, bureaucrate de rang 0. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même. C'est pas un RPG ultra basique où vous avez que dalle. On voit qu'il y a quand même pas mal de trucs, mais on rentre pas non plus dans ce qui est bah, abusé, où on a tellement de trucs qu'on sait plus où aller, enfin voilà quoi. Ça c'est le genre de truc qui me gâche, donc bon. Arme à une main, science, dégâts plasma subis, médecine, inspiration. Pas de la persuasion. Oh, allez, hôtesse de caisse, go. Quoique, ah, j'ai mis déjà 2 améliorations là-dessus en fait. Pourquoi pas médecin? Allez, interne médecine plus. Allez, go. Du coup, sexe, est-ce qu'on se prend une femme, un homme? Ah, telle est la question. Ça semble assez basique. J'hésite. Ah, allez, on prend une femme. Dors de la peau. Ça comme ça, couleur des yeux. Pourquoi pas des yeux bleus? Et pas trop non plus pétants comme ça. Voilà.
Sourcils, écartement. Ok. Ça, on va laisser normal. Putain, comme ça renforce en fait le truc. On va l'augmenter un poil peut-être. Comme ça. Ça, on va laisser normal. Eux, yeux, écartement. Putain, mais c'est. Oh, tout proche, c'est horrible. Hein. Alors, on va pas faire une personne trop discornue, taille. À la limite, on réduit d'un cran la taille de ses yeux. Oh putain, mais c'est horrible, faut laisser au milieu ça aussi. Mâchoire. Et c'est marrant, quand on allonge, ça fait vraiment homme en fait, je trouve. Alors, on va faire une toute petite tête, comme ça on réduit la hitbox. Loul! Et on va réduire un peu la bouche comme ça. Allez, comme ça. La taille du nez. Pouh, bah, je suis un orang-outan. Loul. Bon. On va le baisser un peu. Ah, ça c'est pas mal ça. J'ai un nez crochu. Je suis une sorcière. Loul, bon. Oh, on va laisser à peu près normal, je crois. Hein. Putain, mais ça fait tellement sorcière, ça, sérieux. Moi je vous dis, je suis pas un grand fan de. Oh, putain, mais si on fait comme ça. Je suis pas un grand fan de. De genre de trucs. Hein. Je trouve que c'est une perte de temps en fait. Enfin, on peut augmenter les joues comme ça me paraît pas mal. Ah, et puis on peut retourner du coup. Par contre, je pense que je vais garder cette coupe, hein. Moi, ça me plaît. Il y a pas mal de coupes d'hommes aussi. What? Ah ouais, des sortes de gros, de petites dreadlocks. Oh purée, ça fait déjà 13 minutes, on n'a rien fait. Non mais ça c'est une coupe d'hommes. Sérieusement. Je me demande s'il n'y a pas les mêmes coiffures pour les hommes que pour les femmes. Non mais de toute façon, j'aime bien la première coupe. Ou à la limite, on se la joue punk. Ah, oh, laisse tomber. Ah, oh, on peut pas. Non, ça j'aime bien parce que ça fait un peu rebelle et tout, j'aime bien. Couleur cheveux. Un petit peu cyberpunk. La limite comme ça. C'était à 41. Comme ça fait Christian Clavier dans. Ah, avec Muriel Robin. Là où il a oublié d'enlever sa teinture aux cheveux. Puis du coup, il est ultra rouge. Ou blonde, noir, mais comme ça avec des petits points de rouge, franchement j'aime bien la première couleur. Sourcils, ah, on peut choisir le type de sourcils. Oh putain, c'est horrible ça. Bon, on va pas perdre trop de temps. Oh, ça c'est trop fin.
Je préfère celui de base, hein, en fait. Oh putain, mais lol. Je m'appelle Conchita Wurst. Ah, il faudrait plus que j'allonge des poils, loul. Ça, oui, on s'en fout. Allure, maquillage. Ok. Ah, après, on peut se faire des trucs guerriers, genre de choses, ok. Mais lol, je me fais un maquillage en mode je me suis fait tabasser quand même. Saleté. On peut augmenter comment notre visage est sale. Marrant, cicatrice. Putain, ça, cette cicatrice des deux bananes, ça me fait penser à Mr. Bean, à Johnny English. À la limite, ça. Allez. Âge. Âge. Oh putain, on peut se faire rider. Non, mais moi, j'ai envie de faire une jeune qui a pas trop de traits. C'est pas mal, ça. Je te jette un sort! Oh. Bon, on va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Où est-ce qu'on met un peu de saleté? Comme ça, légèrement, ça paraît pas mal. Ouais, comme ça. Parfait. Non. Comment on va l'appeler? Est-ce qu'on l'appelle là? Je sais pas. Quel nom pourrait-on mettre? Allez, un petit clin d'œil à Tomb Raider et du coup à mon perso sur Monster Hunter que j'avais appelé Lara aussi. Voilà. Oui, non, c'est tout bon. Ah, puis là je vois le résumé. Ah, ça me paraît pas mal comme ça. Ou à la limite, j'aurais peut-être dû foutre. Réduire le tempérament de 1. Et puis mettre un là, un partout en fait. Parce que oui, j'ai pas fait, mais j'avais remarqué qu'on pouvait par exemple. Là, c'est en standard. J'aurais pu aussi l'abaisser. Et donc, on serait en nul, ou je sais pas comment ils appellent ça. Puis ça m'aurait donné un point supplémentaire à mettre ailleurs. À mettre ailleurs, par exemple. Non, il y a juste l'esquive et la parade, je pense qu'il faudra augmenter assez rapidement les larmes de poing. Ouais, allez, on commence comme ça, allez go. Assez perdu de temps. 18 minutes quoi les gars. Looks to be your lucky day, my friend. Terre à deux, Alcyon système. Bon, j'ai pas besoin de vous traduire le cheat, hein. C'était non seulement écrit, mais je crois que tout le monde sait. Et voilà, il a maintenant. On se voit, bah nous, en fait, finalement, depuis nous. Le jeu est un FPS. Oh, vous voilà. Vous vous demandez ce qui se passe, je parie. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Allez savoir pourquoi votre vaisseau de colonisation a été éjecté de l'espace supralimique et a dû poursuivre sa route. Autrement dit, tous les autres camps de l'espoir et vous êtes restés en biostase pendant 70 ans, à peu chose près. Ah, est-ce que je parle? Est-ce que je lis ou bien je vous laisse lire? Ah, je crois que je vous laissais lire. Ça vous entendez un peu les doublages aussi.
I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see here. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Bref, et du coup, moi j'ai joué vraiment pas longtemps. Hein. Je m'étais fait un avatar bidon, si vous voulez tout savoir. Et je vais juste faire quelques tests. Et puis du coup, bah, j'ai joué peut-être concrètement 15 minutes. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne. And he should be waiting for you. Ah, t'as pas bougé la caméra. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one of a kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Ah non, je ne veux pas passer, moi je veux voir. Voyons, c'est cinématique. Alors pour les petits détails techniques, je suis sur PC en 1440p. Et tous les détails graphiques au maximum. Pour les besoins de la capture, j'ai limité à 60 images secondes. Comme ça, je pense que ce sera peut-être plus stable le framerate pour la vidéo. Voilà. C'est quand même joli. Après, moi, si je devrais faire un... Mais oui, ça c'est chiant, moi, je trouve, de devoir lire les titres, le blabla en bas. Pourquoi c'est pas doublé en français, quoi? Non, mais je regrette. Ok, c'est un jeu multiplateforme, mais c'est quand même un studio. Obsidian, ça fait partie des studios rachetés par Microsoft. Ils pourraient quand même payer la localisation, quoi, des doubleurs, merde. Moi, je trouve ça fou. Oh. Marron. Donc, on peut pas utiliser d'armes, hein, je crois, sur cette phase. En tout cas, j'ai pas vu comment. Oh, c'est... par contre, putain. Oh, puis là, il y a un vaisseau. Pas mal. Alors, franchement, pour ça, le ciel est assez stylé. Parce que... Oh, il y a un deuxième vaisseau. Voilà, parce qu'en fait, il y a du mouvement. On voit des planètes. C'est quoi, ce machin rouge, là? C'est un bug graphique ou c'est voulu? Bon. Mais après, je dirais, ouais... Si je chipoterais, je dirais quand même que c'est un peu trop... monochrome, le ciel. Oh, il y a des oiseaux qui volent. Mais ouais, même là, on voit l'eau en mouvement, en fait. C'est pas une simple texture. Bon, bref, on va commencer. Donc, moi, je vais peut-être juste... Je m'excuse. Augmenter un poil la sensibilité de la souris. Voilà, c'est mieux. Parce que c'était quand même pas assez... Ah, là, il nous explique comment faire. Coucou, toi. Viens là. Bon. À s'accroupir. Ça la saute, il suffit d'appuyer une fois. Ah, il avait un truc lui. Brut des maraudeurs. Quand on va là, on crame et on perd de la vie. Vous voyez en haut à gauche, la barre rouge, c'est la barre de vie. Voilà, je peux me permettre parce que du coup moi je récupère d'aller en continu avec mes compétences que j'avais pris au début. Et ça me peut paraître pas mal. Et là du coup on doit s'accroupir. Parce qu'il y a des ennemis sauf erreur. Voilà là.
Là-haut. Et du coup, voilà, ils disent des choses de perception. Là, il y en a un qui a deux doigts de me voir. Ah, c'est bon, il m'a plus. Il m'avait repéré, moi j'ai vu que j'avais le temps de rentrer dans la grotte en restant totalement accroupi tout le long. C'était pas mal. Les effets de lumière là sont pas mal sur la roche. Ils sortent de trucs. Alors apparemment c'est des effets secondaires d'avoir été congelé aussi longtemps. Attends, il y a peut-être un truc là. Non. Aïe. Voilà, il y a un, voilà, ça c'est pour me remettre de la vie rapidement. Hey, you, come here. You've tried the best now. Try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Bon là, du coup, je peux, j'ai assez de médecins. Oui. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. C'est pas moi, hein. Le vaisseau, c'est pas moi. Sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Je l'ai retrouvé pour vous. Ouais, mon sang, forcément, c'est bien moi. Hein. Vous êtes un idiot. Donnez-moi votre arme, mon dieu, bêtement. Bon, écoutez, je crois que c'est mieux qu'il me donne son arme. Je pense que c'est le plus logique. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo. Not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ah, puis ça surcharge le dash, ok. On le voit en haut à gauche, à droite de spacebar 2. Ok. Puis du coup, je suis obligé de les faire péter, ok. Comment on fait pour équiper? Attendez, oh là 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 là.
Ok, mais du coup je peux pas équiper mon... Ah, comme ça. Ça, c'est la Sea of Thieves, 3 coups. On peut parer comme ça. Ah, puis quand je maintiens la molette, je peux switch aussi, je crois. Ok. Thanks for patching me up. Oh. Allez, c'est parti, faisons pas des cons. Est-ce qu'il y a du monde qui m'attend dehors? Alors, votre animation, prenez-moi. Ah, donc c'est la touche Q, ok, on va essayer de voir. Ah, mais il y a quelqu'un ici. Vandale des maraudeurs. Voilà. Putain, je le touche pas. Oh, mais il y a plein de trucs. Moi, je pille. Ah, il y avait des munitions. Ah, là, je dois crocheter. Ah, mais je veux pas cramer. Et puis il était où l'autre cadavre? Ah là. Ok, je prends tout. Ah, en fait, si je maintiens, je prends tout. Ok. Mais je suis con, je pourrais switch d'arme directement. J'aurais dû faire un duel au sabre. Ah, c'est là où je m'étais arrêté en fait. C'est que je m'étais amusé en gros à buter. En fait, j'avais buté le premier mec là qu'on a aidé en soignant. Et je les avais butés ces deux là. Voilà. Ah, mais tu veux que je réponde quoi? Je vais pas être trop méchant. Putain, je sais pas. Oh. Puis lui, est-ce qu'on peut lui parler?
Elle a été formée au service clientèle. Je dirais que le jeu, on peut pas dire qu'il est moche. Mais je trouve, en fait. C'est en mode futuriste sur autre planète. Mais en fait, c'est assez basique, en fait. Je trouve que les. Prenez les cailloux, par exemple. Ils sont souvent très carrés, en fait, vous voyez. Oh, le gros vaisseau qui vole juste au-dessus de nous. Excellent. On va profiter de recharger. Vous voyez, je trouve pas ça... Enfin, voilà, c'est joli. Mais je pense que esthétiquement, il y avait mieux à faire. Mais du coup, on doit faire gaffe. Parce que moi, je donne un coup, je débute, quoi. We'll be right here, in case you need emotional support. We'll be right here. Oh putain, j'aurais peut-être pu faire en sorte qu'il m'accompagne en fait. Si j'aurais mis la première réponse. Du coup, on peut pas revenir en arrière. Ouais, du coup, je suis tout seul quoi. Putain, mais ça semble quand même un peu bourrave. Il est parti où? Je crois que je vais reprendre mon flingue. Bon, moi je récupère de la vie avec le temps. J'ai l'impression qu'une balle sur deux, je rate. Ah, j'aurais peut-être dû lire. Ça disait tab même. Oh, on va pas me rayer tout, hein, je crois. Le corps à corps a l'air d'être pourri, hein, par ça. Ça comme ça. Allez, appliquer. Alors, je les ai tous tués en fait. Par contre, pour trouver des cadavres, c'est chiant. Il y avait un canidé. This is gonna take a lot of paperwork. This is gonna take a lot of paperwork. Marauders, deserters, ah ouais, ok. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Ah, j'ai plus de trucs pour crocheter, quoi. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Inga, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate.
indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4. Oula, je crois que j'ai fait une petite connerie. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express. Mais lol. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Mais c'est qui ce capitaine? Mais j'ai rien compris au scénar, sérieusement. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. C'est le gars. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Il est mort comment? C'était marqué mensonge. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside the ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main valve suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. Mais c'est tellement Fallout quoi, sérieux. Le fait que quand on voit écrit persuasion 5, c'est-à-dire qu'on a 5 points de persuasion ou là d'ingénierie. Bon. The navigation console is offline at this time, Captain. Donc c'est mon vaisseau, ça. Power failure, all doors will remain on security lockdown. Il est sérieusement mort. Et j'ai rien compris. C'est le premier cadavre qu'on a vu, en fait. Surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Un petit l'échelle, ok. Ça me fait perdre du temps pour rien. Ça doit être une arme, ça loule. Ah, oh, on peut réparer. Canoncier. On va plutôt foutre l'arme comme ça.
Non, on retourne là, ok. Je crois avoir fait à peu près le tour. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ah. Alors. Ouais, si je mens, je vais me faire niquer au bout d'un moment, je pense. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our Marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. This is gonna take a lot of paperwork. Damn Marauders are out of control. On doit aller là-bas. Je me demande, c'est un open world ou un... Ah, oh, par contre, la distance d'affichage, les mecs, regardez là où loin, où il y a mon point blanc du viseur. L'ombre qui apparaît là. Quand je recule, ça... Ah, oh. Ça, c'est le genre de truc, moi, qui me casse complètement un beau jeu. Je me demande si c'est assez open world ou bien... J'ai peur que l'autre se retourne. Mais je te fais pas de dégâts? Mais... Merde, je suis déjà mort. Mais je comprends que... Mais c'est de la merde ce fusil à canon scié. Oh putain, je vais retourner. Ah non, mais c'est bon, j'ai qu'à récupérer ça. Mais oui, établi. Ah tiens, santé de va, ça peut être pas mal. On s'en évitera de crever. Oh. Mais oui. Ah, je dois piquer. Ils sont complètement pourris. Hein. Alors, bon, ça a bien marché. Ouais, je peux essayer de passer plutôt par là, mais mon truc me paraissait tellement pourri, quoi. Non, il faut quand même bien rester dessus hein, pour prendre. Lui aussi, il a un canon ainsi tout pourri. Oh, mais j'ai rien compris aux dégâts du canon de fusil à canoncier. Hein. Je dirais que les sensations de combat, elles sont pas ouf quoi. Il y a des jeux où on ressent plus la puissance des armes. Mais il est où l'autre cadavre? Je l'ai perdu du... Je suis bigleux. Comment il a le super truc et son corps a disparu. Bon.
Oh, c'est une base de méchants, ça. Oh merde. Merde. Putain. Mais vas-y, mais cours. Oh lolo lolo. Oh. Peut-être c'est plutôt à longue portée le fusil à canoncier. Moi j'aurais plutôt cru que c'est une sorte de shotgun. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de shotgun. Les combats sont pas mauvais, mais ils sont pas ouf, quoi. Puis le dernier, il a fui ou quoi? Ah, mais là. J'ai l'impression qu'il y a des balles que je tire. Putain, il se fout à couvert. J'ai entendu dire que l'IA était complètement à chier, mais au-delà de ce que je vois, il s'est quand même mis à couvert. Bon. Bon, j'ai bien fait, ça devait être un truc annexe. Je me suis très peu renseigné sur le jeu, à part avoir vu les trailers, j'ai rien regardé, j'ai juste regardé les notes qu'il a reçues. Voilà, il a pas reçu d'excellentes notes. Oh putain, faut bien être en bas pour pouvoir utiliser l'échelle. Hein. Je dis même pas ce que je ramasse. Jus de pseudo. Putain, quel con. Je pense que je vais améliorer la vitesse de sprint hein, parce que c'est chiant. Attends, maintenant il fait nuit avec des aurores boréales, le vaisseau qui vole au-dessus, sympa. Oh, j'ai l'impression qu'à part mon flingue, mais le fusil à canoncier il est vraiment trop pourri quoi. Ah mais c'est une ville. Ok. Là c'est quoi, c'est des tombes? C'est un cimetière. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office.
He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ah, le capitalisme. Bon. Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Yeah? You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Hang on, I'm doing some math in my head. Je pense que si j'aurais accepté, ça aurait été une quête annexe de récupérer de l'argent à des gens ou quoi. My life, work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Former people, yeah. Marauder's been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Putain, mais je suis à moitié bloqué. On peut aller un peu partout. LOL. Non, on va éviter de voler.
comme presque qu'il y a dans les poubelles. Ça me fait penser à Skyrim, en fait, de pouvoir voler. Ça, c'est des chiottes, ça? Ah ouais, je crois. Oui. Mais lol. Bon, les temps de chargement ont l'air d'être assez courts, hein, ça va. Enfin, quoi que je dis ça, là, ça commence déjà... Ah, ça va, ça va. Bon, moi, je... quand même... Il est installé sur un disque dur, en fait. J'ai deux disques durs Velociraptor, donc c'est des très rapides. Ta maman est morte de la peste, n'a pas été choisie pour son traitement. Et n'a pas sa vin comme a dit toute seule, je trouve un endroit parfait pour m'enterrer près de la mer. Je sais que la compagnie nous oblige contractuellement à lui payer frais. Je t'aime, papa. Eh ben, dites donc. Il y en a quand même beaucoup, hein, ce genre de jeu qui critique, entre guillemets, la société. Staying long? Spacer's choice takes. Staying long? Spacer's choice takes care of its own. Ouais. Tellement soin que. Qui ne soigne pas tout le monde. Don't go knocking your work. At least we've got work. We don't get a lot of visitors. I don't have time for this. Oh, la bière gravité zéro. McDevitt's folk hadn't abandoned us. The cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Yeah, there is. We can have another zero G. Sorry, I've got a... Huh? Just gotta keep our head. Hey. Alors, on peut pas vraiment parler à beaucoup de monde. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. What productive, yep, putain. Productive. Oh, it's fine. I'm only on my third bottle. I don't start heaving up my drink as long as I can count to three. Company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery. Lol. Staying long? We don't get a lot. Sorry, I got a lot to do. I don't know you. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about,
But this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand, but you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Traitors, the lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. Ah, bien sûr, on doit passer notre vie à bosser, hein, c'est le concept. Coming right up. Ah, mais c'est ça les crochets magnétiques. En fait, ça permet de... Ok. Ok. Ah, je passe. J'ai pas beaucoup de pognon. Je sais pas combien on en gagne. J'avoue que j'aimerais bien tirer, parce que je pense que je peux vraiment le tuer. Et si je tire par exemple par terre, est-ce que je me fais repérer? J'ai envie de tester. Non, les gens n'ont rien à foutre. Planifier au congé maladie. En fait, je trouve ça tellement marrant en fait parce que c'est tellement en fait. Notre société peut tellement évoluer de cette manière-là, en fait. Nos élus n'osent tellement plus rien dire aux grands groupes, en fait, politiques. Non, aux grandes entreprises, parce que ça rapporte trop d'argent. Ah. Heureusement que j'ai sauvegardé et je suis bloqué. Je suis bloqué ? Complètement bloqué. Bon, on va reprendre ma sauvegarde manuelle. Bon. Ça fait déjà 1h10. Hein. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais, je pense que c'est le genre de jeu qui sont peut-être pas forcément intéressants à regarder. Je pense pas que j'en ferai en vidéo du coup.
Bon, là, il y avait que dalle. Hein. J'ai l'air d'avoir quand même pas mal d'exploration. Enfin, d'exploration, je ne sais pas si c'est de l'exploration, hein, mais. Oh, ça c'est chiant. C'est vrai que quand on est habitué à Sea of Thieves, où tu sautes et tu attrapes l'échelle en plein vol pour gagner du temps, là le fait que tu es obligé d'être bien en bas pour avoir l'interaction de l'échelle. Mais là, je me demande si c'est pas un truc explosif. Hein. Mon viseur devient rouge. Ouais. Il y a personne. Retenu sur le salaire. je me suis fait découper. Mais en plus ça me fait penser, il y a eu un cas en Suisse, il y a un mec qui s'est fait bah, limite mais égorgé par un fou en fait dans la rue. Enfin en gros un mec lui avait volé je sais plus quoi son portefeuille, il lui a couru après et du coup en essayant de reprendre son dû en fait le mec l'a agressé puis l'a égorgé quoi. Bon, le mec, heureusement, il est vivant. Il a passé une année et demie à l'hôpital. Et son assurance accident a refusé de donner les indemnités complètes. Parce que, d'après eux, il a provoqué, entre guillemets, ben, la bagarre. Voilà. Bon, heureusement pour lui, le tribunal a décidé que non. Qui devait recevoir des indemnités complètes quoi. Mais c'est ouf quoi. Tu te fais gorger, tu passes une année et demie à l'hôpital et pour te faire payer ce qu'on te doit, tu dois en fait passer au tribunal quoi. Tu dois encore te battre. Voilà, puis là le fait que tu dois planifier tes congés maladie quoi, ça sous-entend tellement que quand t'es malade, t'es juste un bidon quoi. Bon après je discute pas, hein. Je pense qu'il y a bien sûr des personnes qui abusent des congés maladie. Mais... Non. The grease monkey Argo. I'm sorry. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. My proposition benefits the both of us. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Okay.
I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant, taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tapes. Après, si je voulais faire le bâtard, je pense que je peux aussi voler leur truc électrique et me casser. And thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ok. Bah écoutez, moi je crois qu'en fait je vais faire en deux parties. Moi je vais m'arrêter là. Et on va essayer de... Voilà. Juste pour le fun, on va sauvegarder la partie... Voilà. Est-ce que je peux le buter? A favor? You just made me an accomplice to murdering my boss. I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Eh, pas mal. Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Mais excellent! Ah ouais, non mais on peut vraiment tuer tout le monde.
Ok. Alors du coup. Alors là, du coup, je vais hésiter. Est-ce que je retue ce mec ou non? Ah, purée, je suis tenté hein, de rester comme ça parce que c'est un gros connard. Moi, j'aime pas trop les gens qui ne pensent qu'au profit. À voir. Allez. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas. Je pense que du coup la prochaine partie ça deviendra un peu plus intéressant, j'espère. Mais du coup là j'avoue que j'adore le fait de pouvoir faire ce genre de choix. Spacer's Choice. Allez, à plus tout le monde.